Salut, salut. Vous savez, depuis que vous me suivez, je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie pour la première fois. Il y a une dame qui m'a écrit, ça fait 8 ans qu'elle a divorcé. Et depuis octobre qu'on se connaît, j'ai commencé à travailler sur elle en octobre, effectivement. En 8 ans, elle a eu deux chocolats. Deux chocolats qui l'ont approchée en l'espace d'une semaine. En fait, elle n'en revenait même pas. Elle était genre, oh my gosh, j'ai un chocolat. 2 jours plus tard, elle me dit, j'ai un chocolat blanc. Donc, elle a le chocolat noir, le chocolat blanc. Et je dis, ok, super. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de... C'est maintenant que vous avez les bonnes choses qui commencent à... Je ne sais pas comment on peut dire. Tu étais habitué avant aux mauvaises choses. Tu étais habitué aux mauvaises nouvelles. Tu étais habitué aux mauvais résultats. Donc, tu vois, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... On peut pas dire pas de bénédiction en fait dans ta vie. Bon, il y a une lampe de chevet ici là qui m'a vraiment donné. Je peux pas lever, c'est trop, trop fort. Bon, là c'est mieux. Oui, William, je sais que tu aimes le chocolat. Donc, comme je disais, il y en a parmi vous, depuis que vous me suivez, les bonnes choses commencent à arriver dans votre vie. Et il y en a même vous commencez à vous habituer que, ah, peut-être que. Ce que je voyais dans le rêve là. Oui, je me voyais dans le rêve, j'étais heureuse. Souvent, tu te surprends à être heureuse. Et c'est qu'il y en a parmi vous que vous avez souvent passé des années sans qu'un chocolat ne vous drague. Et te voilà en l'espace d'un mois. Tu as 4 chocolats qui te draguent. Et les bons chocolats, hein. Pas le genre de chocolat qui est comme le Malteser, qui est gros comme ça là. Non, 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 non. Chocolat bien, bien, bien fait là. Oui. Tu restes en une journée comme ça, on te complimente. En fait, votre vie va commencer à changer. Et ça va d'abord commencer par le fait que tu vas te sentir bien très souvent. Tu vas rester comme ça là. Tu vois comme tu restais avant. Tu étais pessimiste. Tu savais que ah, ma vie va même ou non. Ah, je vis même pourquoi? Qu'est-ce qui peut même arriver de bon dans ma vie? Quand tu te surprends souvent en train de rêver, tu vois, au moins tu planifies que dans 15 ans, j'aurai déjà 5 immeubles. Dans 20 ans, j'aurai déjà 3 milliards. Tu as les grands rêves. Ma chérie, laisse-toi aller. J'avais un chocolat là. Quand il me draguait encore, tu vois, le chocolat disait toujours que laisse-toi aller. Ma chérie, laisse-toi aller. Parce que moi, j'avais les résistances sur le chocolat. Tu vois, quand tu pars à l'église, donc, on te dit qu'il ne faut pas forniquer. Hein? Faut pas forniquer. Si tu fais, tu manges le chocolat avant le mariage, c'est que c'est la fornication. Donc, quand il rencontre un chocolat comme ça, dès que le chocolat me plaît un peu, il dit que non. Il dit que non. Il dit, laisse-toi aller. Je dis, non. Voilà. Ça, c'est, on va pas parler de chocolat ce soir. Bonsoir. On va parler juste de bien-être. OK? Voilà. Bon, si ça vit dans le chocolat, ça a viré. On va quand même refuser. Bon. Vous allez vous rendre compte que vos idées sont en train de changer des idées de votre famille. Bonsoir. Si vous venez d'arriver, dites-moi bonsoir. Et vous likez ma vidéo. Et vous partagez ma vidéo. Chaque direct que vous regardez maintenant, likez et vous partagez. C'est votre façon de me supporter là-bas. C'est que si vous demandez de faire le don, que donner 5 euros, vous allez commencer à... Likez, partagez, point. Voilà. Tu likes quand ton doigt fait un peu mal, tu te reposes 2 minutes. Après, quand ça te plaît, quand elle parle, ça te plaît comme ça, là, tu fais encore. Voilà, il faut te laisser aller sur le téléphone. Tu as compris? Il faut chercher ton tabouret. Donc, tu vas te rendre compte que la sensation que tu ressens très souvent quand tu m'écoutes. Bonsoir, la reine Lydie. Bonsoir, la reine Sylviane. Bonsoir, Flora. Bonsoir, bonsoir. Cette sensation-là, elle va commencer à être récurrente. Et
Comme tu es habitué dans ta famille, avec tes amis, sur les réseaux sociaux, en fait, partout où tu te tournes, on parle toujours des mauvaises choses. Anne, bonjour. Laura, bonjour. Oh, voilà, il faut travailler pour acheter ta maison. Il faut que tu passes 25 ans à payer. Pour payer la voiture, il faut que tu payes en 4 ans. Oh, pour payer tout dans ta vie. Le billet d'avion, même pour aller au Cameroun, il faut cotiser ça. Tu peux avec la carte de crédit, tu rembourses en 4-5 mois. Voilà le système dans lequel tu es. Et ou bien encore, tu t'es cassé un peu, tu as même ouvert un restaurant ou un truc comme ça. C'est chaud. Les clients n'entrent pas. Les clients ne viennent pas. Ça, c'est l'ancien système. Maintenant, tu tombes sur mes vidéos. Je commence à te dire que tu mérites l'argent. Tu dis, hein? Tu mérites qu'on achète tes produits tous les jours. Si vous venez de vous connecter, dites-moi bonsoir. Tu ne me dis pas bonsoir, je vais t'enlever du direct. Si. Je vais t'enlever avec mes yeux. Je vois mes yeux comme ça, non. Je vois comme ça, non. Ça va t'enlever. Donc, avant de commencer à m'écouter, tu avais l'idée de faire des conférences, tu avais l'idée de faire des formations, de coaching, former les gens. Et tu te dis que, ah, qui va venir? Qui va venir? Tu as acheté la marchandise, tu as laissé dans une des chambres de ta Vanessa, je ne te vois pas, tu as compris Vanessa? Je ne te vois pas, Vanessa, c'est qui même? Écris encore bonsoir, oh, écris 10 oh. Bonsoir, Ezima. Donc, tu avais un système de pensée. C'est que, ah, si il fait, qui va venir acheter? Bonsoir, la reine Janice. Bonsoir, la reine Noëlla. Si je vous salue parce que j'ai les poumons avec vous, et vous devez me demander pardon dans ce direct. Vous avez suivi. Bon, continuons. Ton système de pensée était façonné de telle façon que tu as acheté la marchandise. C'est dans ton deuxième chambre de la maison, non? Tu sais que tu dois poster en ligne. Ton corps pèse pour poster. Tu peux faire venir passer 3 heures, tu regardes mes vidéos. Bonsoir, la reine Larissa. Tu peux faire venir faire 3 heures, tu regardes mes vidéos. Tu ne postes pas un produit. Tu ne parles pas de ton produit à quelqu'un. Parce que tu te dis, ah, qui va acheter? Est-ce qu'elle peut acheter même mes produits? Souvent, en disant toi-même le prix de ta marchandise à quelqu'un, elle dit, tu peux parler du produit. Madame, ça va vous aider. Ça va vous faciliter la tâche. Ça va vous aider à vous occuper des enfants. Ça va. Adams, je mange le chocolat. Hein? Merci pour le compliment. Je vous ai dit que le chocolat est bon pour la santé. C'est bon pour la beauté. Bonsoir, la reine Amel. J'ai dit que si je ne salue pas quelqu'un, c'est ce qu'on a les problèmes. Il faut qu'il me demande pardon. On va se réconcilier dans le direct. La reine Nana, bonsoir. La reine Ejangue, bonsoir. Le chocolat, quand tu manges le chocolat, tu transpires. Hein? Donc tes pores se débouchent. Vous voulez que je donne les vertus du chocolat? Vous voulez, je peux vous vendre le chocolat. Hein? Tu peux acheter le chocolat maintenant, tu manges. Bonsoir, la reine Emilienne. Vanessa, je ne te vois pas. Tu n'as pas encore ri. Tu vas bien rire. Bonsoir, vestimentaire. Et t'as mes bonsoirs. Bon, laissons le chocolat. Hein? Parlons de tes produits. La reine Laure, tu me dis, je vais pas te saluer. Laure, c'est même qui? Qui te connaît même ici? Hein? Simo, oh Chata. Ok. Que la paix est bien, qui a dit ça? Quand la femme veut manger le chocolat, elle commence à faire des problèmes avec son mari. Tu dis que quoi? Ah, les bébés sont.
Que la paix est bien. La paix ne donne pas le chocolat, ma chérie. Laisse ça. Ne me détournez pas de mon sujet ce soir. Je vous connais. Je vous connais. Vous allez commencer à rire dans vos chambres là-bas. Vos maris vont dire, tu ris avec qui? Hein, pardon. Une a même dit là-bas, elle est au Burkina. Elle a dit que son mari lui a dit qu'il va acheter le billet pour qu'elle vienne me voir. Vous êtes à trois dans vos couples. Toi, ton mari et moi, on est à trois dans votre foyer. La reine Yolande, les problèmes, mais quand tu veux manger le chocolat, tu fais les pébés. La réconciliation, ça se fait autour d'une table avec au menu le chocolat. Bonsoir, la reine Irène. Bonsoir, Williams. Pardon, vous voulez me distraire. Yeah, les gens, c'est là. Laissez-moi parler, pardon. Ne venez pas me distraire. Ne me parlez pas de chocolat. Dites-moi seulement bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et moi. Voilà, du quoi, à quoi bon? Dieu, bonsoir. Je te donne le chocolat, Noëlla. Tu es une mangeuse de chocolat patenté. Tu as le diplôme de mangeage du chocolat. Tu dis que quoi? Bonsoir, la reine Solène. Brigitte, bonsoir. La reine Brigitte, la reine Ruth. Aïe, je cherche encore quelqu'un avec qui fait les problèmes. Voilà, René, c'est même qui? Moi, je ne connais pas René. Si je ne salue pas quelqu'un ce soir, c'est que la personne a les problèmes avec moi. Quand une femme cherche les problèmes, c'est qu'elle veut manger le chocolat. Donc les hommes, là, ne faites pas comme si vous ne comprenez pas leurs problèmes. Bonsoir, la reine Christelle. Arlette, je te veux les problèmes. Oui. Bon, la reine Monique, je ne te veux pas les problèmes. Bonsoir, la reine Monique. La reine Noëlla, comment j'affiche ce que tu fais, tu te plais? Hein? Il faut appeler le chien-chien. Aïe, la reine Nana. La reine Tatiana, bonsoir. Viviane, bonsoir. Anne-Priscille, mangeuse de chocolat. Hey, bonsoir. Oh, quand il parle de chocolat, vous voulez me distraire. Laissez-moi, laissez-moi. J'ai seulement dit que vous seulement me dites bonsoir, c'est tout. On m'a dit que mon visage brille. J'ai dit que c'est parce qu'il mange le chocolat. Le chocolat est bien pour la santé. Quand tu manges le chocolat, tu transpires. Donc ça libère tes pores. Bon, qu'est-ce que je disais avant que vous ne veniez me distraire? Bonsoir, la reine Aristide. La reine Solène, tu veux que tu parles de mon chocolat? J'ai check-in dans la chambre d'hôtel. Je vais vous montrer. On m'a laissé le mambo sur le lit. Les gens, s'ils connaissent que j'aime le chocolat, je vous assure. Voilà le mambo. J'ai trouvé le mambo sur le lit. J'ai Wanda. Que les gens, s'ils connaissent que j'aime le chocolat. Voilà, ça là-bas sur le lit. Je n'ai même pas mangé. Il était tellement rassemblé, rassasié de chocolat. Le chocolat est bon pour la santé. Ça fait tu ris seul. Tu ris seul. Je vous mens pas. Voilà le chocolat là-bas. C'est en bas de mon, c'est au pied de mon lit là-bas. Ils ont détecté à distance que la femme aime le chocolat. Ils suivent mes directs. Ouais. Vous n'avez pas remarqué que je suis trop joyeuse depuis un certain temps. Avant, je vous grondais tout dans mes directs, non? N'est-ce pas? J'ai mal au chocolat. Prescription médicale. Chocolat. Que tu manges comment? Ruth, la reine Ruth, tu ne connais pas comment manger le chocolat. Même les yeux fermés dans le noir, tu manges, tu trouves la direction, tu manges. Ça va trouver seulement sa direction. Noël, là, tu vas me voir, tu vas éclater des rires d'abord. Vous êtes folle. Moi, je mange pas le chocolat en douceur. Il n'aime pas le chocolat doux, pardon. Il n'aime pas le chocolat en douceur. Le chocolat doit se manger rapidement. Je ne veux pas dire le mot violent parce que les enfants qui écoutent vont dire, maman, ça veut dire quoi? On mange le chocolat violemment. Mais bon.
Ariol, ne faites plus que vos maris me regardent. Tout, Erika, vos maris vont me détester. Ah, c'est la troisième personne de ce couple. Bonsoir les maris de mes reines là, bonsoir. Bonsoir. Pardon les femmes, si quand vous mangez le chocolat, ne mettez pas mes directs pendant que vous mangez le chocolat. Pardon. Oh là là. Erika, encore la femme si. Pardon, laissez-moi, je suis en train de rire seul ici là. Oh là là, non, 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 le chocolat n'est pas là, comment? C'est quoi avec vous? Vous avez fait toujours parler tellement de chocolat que le chocolat est venu. René, bonjour, bonjour. Bon, je te connais alors, il n'y a pas de problème. Zéro, j'ai dit qu'il y a des gens que si ils ne te saluent pas, c'est que tu as des problèmes avec moi, tu dois me demander pardon. C'était pour vous dire qu'il y a les femmes que quand elles ne répondent pas, quand elles font les problèmes à la maison, c'est qu'elles veulent manger le chocolat. Donc si tu es son mari, ne fais pas comme si tu ignores. Quand la femme te fait les problèmes, elle veut manger le chocolat. Vous avez vu qu'il y a 20 ans, j'étais très nerveuse. Hein? C'était déficit, carence chocolatière dans mon sang. Il y avait une carence de chocolat. Carence. Moi, j'aime le chocolat bien servi, là, oui. Pourquoi je vous parle même de chocolat? Hey! Hey! Vanessa, tu n'es pas pardonné. Je ne te pardonne pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, le roi Hervé, pourquoi tu viens toujours dans le direct, là? Hervé, présente-moi à ta femme, pardon. Montre le direct à ta femme. Tu as compris? Comme ça qu'on va faire notre lit ici là. Elle va aller te montrer les goûts de chocolat. Pardon. Tu viens toujours au milieu des femmes ici là, ça gratte les choses. Les autres hommes, regarde, ils ne parlent pas. Hey, le jus de raisin. Hey, là. Aïe, aïe, aïe. Vous m'avez gagné avec vos mots ici là. Les codages, je connais. Ouh. Ton ex-chocolat était tellement jaloux de toi, Reine Lumière, qui m'a demandé de choisir. Ah, ah! Et qui ne veut pas que je te suive. Mamie, tu as laissé le chocolat. Hein? Son chocolat n'était pas bien. C'était pas le bon chocolat. Ma chérie. Ouais, hey, Seigneur Jésus. Hey. Parce qu'il y a des enfants chez vous. Donc, hey. Je les connais pour moi être grossière et ça me fait bizarre. Ma chérie, donc le chocolat là était bien. Hein? Le genre de futur avait bien mis ça au congélateur. C'était bien dû. Hein? Pas le chocolat que tu manges sous le soleil de doigt là, là, que c'est mou, un genre là. Chocolat congelé. Solène, tu as bien dit. Maëlys a bien parlé. Ce n'était pas un bon chocolat. Bon, la reine Valais, ça tu es pardonné. Lovely Simon, mon thing, c'est le chocolat, ma chérie. J'ai fait le masque de chocolat. J'ai fait le bain d'huile de chocolat. J'ai fait tout avec le chocolat. Ce n'était pas bon, le bon chocolat, ma chérie. C'est pour ça que tu as envie de laisser. Il y a les gens de chocolat que, en parlant, que tu dis que non, je ne veux pas. Ah, ma chérie. Que tu es en train de manger. Que tes lèvres sont tu sales partout comme ça, là, c'est comme le chocolat. Voilà. C'est comme ça. Affaire de chocolat congelé, froid, dur. Tu crois que ça fait une croche? Jamais, Yolande, elle n'a pas laissé le chocolat pour moi. Le chocolat, elle ne lui pesait pas. C'était le prétexte. Il faut le direct à 20, je parle de chocolat. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Ah. Bon, Zao, je te pardonne, ça va. Tu as compris. Réconcilions-nous alors. Vous êtes trop sainte dans le direct, si. Vous faites comme si vous ne mangez pas le chocolat.
Je vous ai déjà dit qu'aucune femme ne doit me suivre. Elle va me dire que ça fait 8 ans qu'elle n'a pas mangé le chocolat. Je crois qu'on a mis le chocolat à la boutique, pourquoi? Après 6 ans, on ne pleure pas le genre là. Et c'était un jeune. Mais bon, papy a... Non, non, mamie. Même s'il était jeune. Tu sais qu'il y a jeune et jeune. Il y a jeune et jeune. Les gars, que vos maris sont loin là-haut. Oh, désolé pour vous. Il y a une qui est venue et me dit, ça fait 5 ans que son chocolat est parti. Hein? La reine Sylviane, tu connais. Je vous avais dit de créer vos faux comptes. Vous voyez vos enfants, ils vous créent les faux comptes. Vous me suivez, vous commentez librement. Quand on dit chocolat, vous avez dit chocolat dur. Tu dis chocolat noir, oui. Ah, Ludivine, tu n'as pas le chocolat, comment? Le kit attirance, c'est à quoi? Le kit attirance, c'est à quoi? Il y a les hormones qui sont relâchées quand tu manges le chocolat. Parce qu'il y a les cris qui sont émis à partir. Tu vois, quand tu manges, tu fais. Tu vois un peu, non? Ça libère ta gorge. Ça libère ton chakra de la gorge. On va mélanger tout, la spiritualité, le chocolat, tout, tout, tout. On va mélanger ça. Quand tu manges le chocolat, tu dois t'exprimer. Oui. Soyez pas silencieuse quand vous mangez le chocolat. Il y a une autre chose que quand elle mange, ça me fait. Il y a les macarons. Une dame est quittée. Elle m'a suivi, j'ai parlé des macarons dans le direct. Elle venait de Paris. Elle a acheté les macarons, elle a gardé. Elle est venue dans mon bureau le jour-là. Elle dit que je vais voir que la reine physiquement, moi-même, je vais la voir. Elle m'a apporté les macarons. Ma fmide. J'ai bavardé sur les macarons là-haut. Je croque en concert et Après quoi, Gogol, je fais. Ouh! C'est comme ça qu'elle mange le chocolat. Quand c'est bon, il faut exprimer. Ouais, le mari de Ariolé. Monsieur Etat, mes parents, sortez de ce direct, s'il vous plaît. Solène Maëlys, tu connais. Le roi est fait, quand on dit qu'on ne parle plus, on n'écrit même pas qu'on ne parle plus. Il ne faut pas qu'il crie. Oh my God. Que ton mari, il va découvrir, il n'est pas bête. René Fellman et masque à la. Hey, Seigneur Jésus, excusez-moi. Restons dans la phase 1. Phase 1, ok? Quand tu manges le chocolat, restons d'abord dans la phase là, d'accord? Quand tu manges le chocolat, quand c'est bon, tu dois dire que c'est bon. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de parler de ça, mais parlons seulement. Apparemment, ça plaît à beaucoup de personnes. Sandra, tu as bien dit. Quand on aime, il faut exprimer. C'est ici que tu nous as chamé avec les macarons, non? Oh my God. Oh, pardon. Madame, pardon, laisse-moi, je vous dis comment on exprime. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous, hein, comme ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé, hein, le jour où il faut manger, vous allez commencer à faire comme les villageoises. Faire les villageoises de Fromla. Hein? Non, 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 non. Non, non, ma chérie. C'est ça qui va faire que ton chocolat ne peut même pas penser ou rêver. Je vous avais expliqué le jour-là que tu es comme le vin. Tu as mangé le chocolat avec le vin. Tu manges comme ça, après tu portes, tu bois un peu, ça descend. Tu fais. Vous devez vous entraîner sur les bruits que vous faites quand vous mangez le chocolat. Si vous me suivez, dites je suis là.
Dites-moi alors que vous êtes là. Pourquoi on continue la conversation chocolatière? Solène, je sens que tu aimes beaucoup le chocolat. Toi là, il faut que je parle avec ta mère. Je crois que tu aimes bien le chocolat. Je disais que manger le chocolat, comme ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé le chocolat là. Et tu peux ne pas avoir mangé le chocolat, ça fait longtemps, mais quand toi tu manges le chocolat, tu achètes le meilleur chocolat sur le marché. Pas le Mambo, hein. Mambo là, c'est. Non, 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 non. Le chocolat belge là. Donc, ce qui vient net de Mbeng là. Tu vois, non? Et je vous avais dit l'autre jour que l'âge ne compte pas. C'est l'énergie. Parce que le chocolat aime l'énergie qui va l'envelopper. Tu comprends? L'énergie. Il n'y a pas de déficit de chocolat ici dehors. Hein? On dit que non, c'est un chocolat pour cinq femmes. Non, c'est cinq femmes se discutent d'un chocolat. Ma chérie, laissez-moi les bêtises là. Laissez les statistiques à la con. Un chocolat pour toi. La reine Monique. Tu as le permis de manger. Va manger. Faut manger. Tu as le buffet. Tu as le buffet. Faut manger. Chocolat suisse. Oui. Et si tu ne conditionnes pas ton esprit, même si tu achètes le chocolat, le lendemain, tu vas ouvrir la porte qu'on aura volé le chocolat. Parce que ton esprit ne comprend pas bien que le chocolat, là, hein, c'est ton énergie qui enveloppe le chocolat. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la femme est un récepteur. Ce n'est pas pour rien que c'est la femme qui porte le bébé dans son ventre. Parce que tu as une énergie qui enveloppe le chocolat. Voilà. Maintenant, tu dois croire que le chocolat là lui-même, quand il te voit, hein, déjà j'ai précisé l'autre jour que avec le temps, tu as encore plus de goût. Avec le temps, tu deviens encore. Parce que parfois, il y a certaines personnes que quand tu as acheté un chocolat depuis, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu as acheté le chocolat, tu dis ah, celui qu'il y a encore quoi. Non, ma chérie. Compte que c'est, on a porté le vin, on a mis dans une cave. 20 ans plus tard, on a retiré. Ma chérie, le goût sur ça. Hein. C'est comme ça souvent qu'il y a les pédés. Tu es marié, hein, mais tu as un chocolat de dehors, un petit chocolat de dehors là qui te poursuit. Tu dis, ah, il poursuit quoi sur moi? Ma chérie, il a détecté le vin. Il a détecté le vin. Toi-même, tu ne connais pas le vin que tu es. Vous vous négligez. Que j'ai déjà accouché quatre enfants. Je n'ai. Pardon, qui t'avait tes bêtises là? Qui t'avait ça? Et un truc sur le corps de la femme, c'est que quand tu es enceinte, quand tu tombes enceinte, le processus de la grossesse fait, les hormones là font que ta peau s'élargit, ta peau stretch, ça s'étire. Maintenant, ce qui fait que toutes les parties de ton corps, même le siège du chocolat, s'élargit. Maintenant, quand tu finis et que tu as donné naissance, le roi Hervé, tu as dit que tu ne parlais pas, non? Hein? Ferme ta bouche. Quand tu as fini, le processus qui se passe, c'est quoi? Le corps maintenant rétrécit, la peau rétrécit. Ça commence à rétrécir. Ce qui fait que tu n'as rien à envier à une jeune fille. Moi, je vous dis ça tous les jours. Parce que vous négligez. Et quand on te regarde comme ça, là, je suis sûr qu'il y a souvent les jeunes chocolats qui te regardent. Toi, tu l'as dans ta tête, tu te dis, ah, les enfants là, non, ma chérie. Peut-être l'enfant ne te voit pas comme il ne te voit pas comme une maman. C'est toi dans ta tête là. Après, tu vas dire que je n'ai pas mangé le chocolat depuis 6 ans. Je n'ai pas mangé le chocolat depuis 7 ans. Et tu dois faire le genre que le jour où tu attrapes le chocolat, tu manges. Le chocolat te poursuit après. Pardon, maman. On achète encore ça où? Je vais encore. On m'a jamais donné le genre de chocolat-ci. Aïe. Je dois sortir les cours, les one-on-one. Je cherche les maîtresses chocolatières. Là, vous venez enseigner. Oui, je sais qu'il y a les maîtresses parmi vous, vous vous cachez. Vous vous cachez comme ça, cachez-vous bien.
J'ai compris que la majorité ici, là, vous doutez de ce qu'il y a en vous. Aïe, je suis tellement tentée de parler librement, mais je ne dois pas le faire. On va seulement que naviguer comme ça. Peu importe vos chocolats qui vont tomber sur ma vidéo. Donc, vous devez comprendre que affaire de chocolat, c'est affaire d'énergie. OK? C'est affaire d'énergie. Tu peux être là comme ça, là. Tu te dis que, oh, moi, je suis déjà fini. Oh, je suis déjà... Bon, attendez. J'ai une petite histoire pour vous. Ça va un peu vous faire rire. Bon, c'est une histoire qu'on m'avait racontée quand j'avais peut-être 15 ans. Donc, on a dit donc qu'il y avait un groupe de bandits. Je suis sûr que vous connaissez ça. C'est des histoires de fous. Des histoires de fous. Mais bon, moi, ça m'a toujours fait rire. Donc, il y avait une maman, elle avait sa mère à la maison. Et elle avait ses enfants. Donc, il y avait trois générations. La grand-mère, la mère, les petits-enfants. Et le grand-père était déjà mort. Ce qui fait que, un jour, il y a donc des cambrioleurs qui sont arrivés à la maison. Ils ont dit, voilà, on va violer toutes les femmes de la maison, la concession-ci. C'est une histoire trop bête, hein, ok? Mais moi, ça me fait rire. On va violer toutes les femmes de la concession-ci. Voilà, maintenant, les enfants disent que non, s'il vous plaît, violez-nous seulement. Pardon, laissez notre grand-mère, elle est vieille. La grand-mère sort là-bas derrière. Elle dit, hey, arrêtez ça, arrêtez ça. Vous croyez que depuis votre grand-père, moi, je fais comment? Elle dit que commencez par moi. Excusez-moi. Oh my God. Ouais, mais tu commandes tout. Je vais te chasser de mon direct. En fait, l'image que j'ai de moi est... Je suis le genre de ma tête que... Vous allez me voir à 70 ans, je vais manger le chocolat. 80, je vais manger le chocolat. Si le patron ne veut pas manger, il veut que quand il veut manger le chocolat. Je vois les femmes de 40 ans, je suis déjà fini. Et c'est fini. Tu as fini que tu as commencé quand? Hein? Tu as commencé quand? Le temps pour manger vraiment le chocolat, c'est quand il n'y a plus les enfants à la maison pour t'embêter. Vous savez qu'il y a les petits-enfants qui font comme les petits vampires là. Hein? C'est quand tu veux manger le chocolat, tu dis maman, maman. Tu me dis, mais c'est quel enfant ça? Voilà. On te voit à 70 ans, tu es pimpante. Pimpante. Et si ton pâté, si ton chocolat a fait l'erreur qu'il est d'ail, hein, tu le remplaces avec un chocolat qui est encore plus dur. Vous parlez même de quoi? Et il y a une énergie que tu peux dégager qui va faire que soit ton chocolat va vouloir manger le chocolat tous les jours, soit ton chocolat va espacer les jours. Soit il va vouloir... Donc, sache que... Voici ton test, ma chérie. Je te pose juste la question. Est-ce que quand il faut manger le chocolat, c'est toujours toi qui demandes ou c'est le chocolat qui demande à être mangé? Réponds-moi. Si c'est toi qui poursuis toujours le chocolat, ma chérie, c'est qu'il y a un problème dans ton énergie. Les gens qui n'ont jamais commenté mon direct, vous avez commenté aujourd'hui. Je vais vous voir. Il va vous voir aujourd'hui. Ton chocolat, Jomo, ton chocolat, dis merci. Bonsoir, le chocolat de la reine Jomo. Il faut pardon, donne le chocolat ce soir, pardon. Tu l'as fait, il faut qu'elle regrette, elle doit regretter d'être née. Il faut faire la vengeance. Excusez-moi. Aïe. Voilà, c'est bon, c'est le chocolat qui demande. Voilà, c'est bon. Mon fils dit, oh, coco, maman, demain, tu me le chocolat. Oh my God. D'accord, c'est le chocolat qui demande, c'est bon. C'est le chocolat qui cherche toujours à manger.
Et si pour une fois, c'est toi aussi qui partais demander? Si pour une fois, tu vois, quand tu calcules bien le chocolat, il vient, il fait comme s'il veut manger le chocolat. Tu sais, il mange, il mange, il mange. Quand il finit, tu te lèves, tu dis que je veux aussi manger le chocolat. Il dit que hey, c'est comment? D'habitude, quand il traîne, je te sers seulement 100 grammes, tu es rassasié, non, c'est comment? Tu dis que c'est bon, tu as mangé, non, moi aussi je veux manger le chocolat maintenant. Tu vas voir que ça va mettre, ça va faire la tête du chocolat, va tourner comme ça là. Ah, yeah, s'il vous plaît. N'attendez pas toujours que ce soit le chocolat qui demande. Même si le chocolat et toi, vous n'avez pas fait depuis. Parce que je sais qu'il y a les femmes que vos chocolats, les, vous n'avez pas mangé le chocolat depuis. Hein? Ah, mamie, so, elle dit que le chocolat demande tellement quand tu n'as pas le temps. Non, là, c'est très bon, c'est super. Hé, hey, le roi Hervé. Et quand elle le fait brutalement. Ouais, Seigneur. Alliance, tu as honte de demander. Ah, ya. Tu as passé ta jeunesse où, ma chérie? Tu n'as pas volé le chocolat dans les endroits interdits. Hein, ma chérie? Aïe. Les endroits les plus interdits de la ville. Est-ce que vous savez que moi, j'étais tellement expert dans le mangement de chocolat que je ne savais pas qu'en Angleterre, il est interdit de manger le chocolat dans sa propre voiture. Donc, on peut te poursuivre. On t'attrape à te manger le chocolat. Le policier, essaie de savoir moi. Je n'ai pas fait la prison pour ça. Je sais que vos oreilles vont demander. Oh my God. Il y a les endroits que c'est quand tu arrives là-bas, tu dis que ouvre le mambo là, on va manger ça maintenant. Que mambo sort. Oui. Il ne blague pas. Le policier t'arrête en Angleterre, ma chérie. Là, tu es possible. On peut te poursuivre pour ça. Parce que j'avais les endroits les plus fous. En fait, c'est comme si ma tête cherchait seulement. Ok, on n'a pas encore mangé. Oula. Au Canada, il y a les amandes. Oui. On le mange pour le chocolat dans la voiture. Oui. Oh my God, l'adrénaline, Vanessa. Tu ne peux pas ça pour moi. Tu as eu le même problème dans la voiture. Tatiana. Ouais, j'ai envie de. J'ai envie de my God. Oh Seigneur. Vous savez, je pense que c'est l'une des... Moi, je vis pour manger la nourriture et manger le chocolat. Voilà les deux choses que j'aime le plus dans ma... J'aime manger la nourriture, j'aime dormir et j'aime manger le chocolat. J'hésite entre dormir et manger le chocolat. Mais moi, la nourriture, là, d'abord, j'aime manger ma nourriture. Moi, j'aime manger. Deuxième chose, j'aime dormir. Dormir et le chocolat, je ne sais pas quel je vais choisir. Et c'est l'un des... Si le moment de manger le chocolat n'est pas un truc que tu aimes faire avec ton chocolat, c'est il faut vraiment que tu travailles là-dessus, dans ton énergie surtout. Très important. C'est un peu comme si tu traversais la vie. Oui. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses. C'est un peu comme si tu traversais. Il y a tellement de bonnes choses. Tellement de sensations. Il y a des chocolats ça prend tes papilles ici derrière. Ça touche. Il y a le chocolat que quand tu manges, ça frappe ici derrière. En tout cas, les hommes vous diront. Il y a un chocolat que quand les hommes mangent, ils te disent que ça tape que ici derrière. Je ne sais pas où ça tape. Oh Seigneur. Il a eu plusieurs fois où le chocolat m'a dit que ça tape ici derrière. En tout cas, le roi, elle va confirmer. Il dit que ça tape ici derrière sa tête. Oh, Seigneur. Aïe.
Je pense même qu'un couple qui mange bien le chocolat a même plus d'abondance et d'harmonie. Si le chocolat ne connaît pas chocolaté, ma chérie, apprends à ton chocolat. C'est pour ça qu'elle dit que toi, Langa, tu es le coach. Hey, Laura Hervé. Ça va, parle. On te donne le passe, on te donne le gâteau. Parle, pardon, papa. Tu as le feu vert, parle. Écoutez, il y a les chocolats que je suis sûr que vous mangez moi depuis 10 ans. Mais vous devez maintenant vous ouvrir parce que il y a les clés dans ton corps là que le chocolat doit ouvrir, ma chérie. Le chocolat doit ouvrir ça. Et quand il l'ouvre, tu vas voir que tu passes d'un degré d'épanouissement à un autre. Tu passes un degré. C'est comme si ça relâchait des hormones dans ton corps. Pas le genre de chocolat que tu manges par devoir. Mais le genre de chocolat que tu manges, toi-même, tu es impliqué dans la chose. Tu as mangé le chocolat, tu aimes le chocolat même plus que le chocolat là lui-même. Iwanda! Mais d'habitude, c'est moi qui aime. Comment est-ce qu'elle aime plus que moi? Ouais, ma chérie. Ah! Il fait, tu cries, tu cries, tu cries, tu cries. Après, toi-même, tu touches le chocolat, tu cries, tu cries. Oui, c'est ça. Et je parle d'un point de vue, d'une perspective bamileke. Et notre façon dont on a été élevé, on ne parle pas trop de chocolat, même avec nos enfants. Moi, quand il fallait même parler d'abord de. Quand il pleut, quand il y a les soldats anglais là aux Pays-Bas. Quand il fallait parler de ça avec mon propre enfant, ça faisait bizarre. Mais l'enfant était tellement relax. Je disais que, mais est-ce que l'enfant, c'est même mon enfant? L'enfant était tellement relax par rapport à ça. Alors que moi, à mon époque, j'étais tellement frustrée par rapport à ça. Donc, c'est là que je comprends que de génération en génération, il y a des libérations qui s'opèrent. Maintenant, c'est tellement tabou que si tu avais ton chocolat depuis un certain nombre d'années, vous avez des enfants, la routine, c'est un peu comme si tu n'attends plus à quelque chose. N'attends pas que ce soit lui qui fasse. Toi-même, tu dois anticiper les choses. Parce que, pas vous mentir, une femme qui a bien mangé le chocolat, ma chérie, la bonne humeur de ça, hein. Même un homme, hein, même l'homme. Quand un homme rencontre une petite là, parfois tu restes avec ton chocolat. S'il y a une petite dehors qui tourne sa tête, les périodes là, il est content. Il est busy, il est content. Ça peut se passer avec toi. Et je dis bien encore, ça peut commencer par ta propre énergie à toi, la femme. Ta propre énergie. Donc, le truc, c'est que tu dois d'abord t'ouvrir. Et beaucoup de femmes se bloquent par rapport au chocolat parce qu'il y a un problème de manque de confiance en soi. Il y a un problème de, ok, à une époque, il m'avait trompé, ma chérie. Peut-être à l'époque, là, ça s'est passé parce que toi, tu n'étais pas émotionnellement disponible. Première raison. Deuxième raison, peut-être, l'ennemi aussi calcule beaucoup vos relations. Ça peut être une période, peut-être, où tu es en train d'accoucher, ou bien tu as une grossesse qui est difficile, ou bien tu viens d'accoucher, tu es à l'hôpital. Ce qui fait que le chocolat, c'est que là où je suis, là, vous avez même fait un mois avant de manger. C'est la période là que l'ennemi envoie alors Jézabel chocolatière. Tu vois un peu? Et c'est là que il est vulnérable. Parfois il mange, parfois il mange pas, mais juste, ne serait-ce que le fait que émotionnellement, parce que parfois pour les femmes, c'est ça qui fait mal le plus. Juste le fait de savoir que il s'est confié à une autre personne. Le fait de savoir qu'une autre personne lui a fait, l'a rendu heureux, ou l'a fait sourire, ou bien l'a fait se sentir bien, ou bien le fait de savoir qu'il est parti parler, il avait du plaisir à parler à une autre personne, c'est ça qui fait mal. Maintenant, quand toi, tu commences à comprendre que ça dépend, en fait, c'est en fonction de ton énergie. Et si tu regardes bien dans tes pensées avant que le monsieur ne peut-être ne considère un chocolat à l'extérieur, je suis sûr que tu te disais que,
Ah, si. Il peut même rester avec moi, pourquoi? Je suis sûr qu'il a une petite. Je sais pas, il y a toujours une pensée. C'est nous qui attirons nos choses. Maintenant, quand tu veux restaurer ça, aime-toi d'abord. Il y a une énergie qui commence à émaner de toi. Tu vas voir qu'il va rentrer un peu plus tôt à la maison. Tu vas voir que. Il va même te dire que voilà, il y a eu des. Il y avait, avant, tu étais très. Il va te dire, avant, peut-être qu'avant, tu étais très dur. Ou avant, tu grondais beaucoup. Il va dire, mais pourquoi est-ce que tu es maintenant heureuse? Et tu vas voir que ton l'énergie positive qui va émaner de toi va faire qu'il aura un peu plus envie de rentrer à la maison et d'être à côté de toi. Il y en a parmi vous, vos chocolats n'aiment pas vraiment votre compagnie. Parce que. Y a une énergie d'accusation qui émane de toi. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Et c'est. Écoutez, hein, aïe, aïe, aïe. C'est tellement subtil. Celles qui comprennent, comprennent ce que je suis en train de dire. Avec le temps, parce que il n'y a que toi qui connais ton chocolat. La tisane de Dieu ne connaît pas ton chocolat comme toi. Parce qu'elle ne voit que ses beaux jours. Il ne la contacte quand il est. Elle ne connaît pas qu'il ronfle quand il dort. Ou bien elle ne connaît pas que quand il ses caleçons, il prend ses caleçons, il jette comme ça là dans la douche. C'est toi qui connais tout ça de ton chocolat. Maintenant, connaissant cela, tu vas apprendre à t'aimer et à aimer ton chocolat. Je te parle d'énergie. Tu vas apprendre à aimer et accepter. Genre, ok, il a lancé ses caleçons, ses chaussettes, n'importe comment à la maison. Ça va, c'est pas grave, voilà. Avant, tu criais, ouais, pourquoi tu as mis ça ici? Hein? Et tu te dis ça, oh voilà, tu as oublié d'acheter le pain encore. Voilà, tu es parti au supermarché, tu as oublié de. On se connaît. On se connaît. Moi, je parle aux mamans qui sont légitimement mariés à leur chocolat. Parce que quand tu découvres une faute du chocolat, tu ne vas pas seulement jeter le chocolat pour remplacer. Parce que le prochain chocolat, là, quand ça va se gâter, ça va faire un truc, tu vas encore jeter. Donc tu essaies parfois de comprendre que est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui a provoqué? Et la plupart du temps, on est parfois submené par les problèmes du boulot, les enfants, la maison, si bien qu'on n'a pas le temps de créer l'espace pour le chocolat. Et pour être honnête avec vous, quand tu commences à comprendre cette partie-ci, tu vas voir que tu vas parfois aimer passer du temps avec ton chocolat. Genre, les compliments que vous ne vous faisiez plus avant, vous allez commencer à vous les faire. Ce qui fait que manger le chocolat, ce ne sera plus seulement là de déguster le chocolat, mais ce sera quelque chose de plus profond et de plus intime. Et la plupart du temps, ça va guérir parce que il y en a parmi vous, vous êtes mariés à vos chocolats, et vous avez des années de blessures. Certaines de ces blessures sont provoquées par votre chocolat. Et vous savez, le chocolat et les femmes ne réfléchissent pas de la même façon, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Quand le chocolat te dit que pardonne-moi, pour lui, quand tu dis que lui il était pardonné, il sait que tu as oublié. Nous, les femmes, là, on pardonne comment? Demain, quand il fait quelque chose. Oui, c'est pour ça que tu étais parti voir l'autre femme là-bas dehors. Mais chérie, tu m'as pardonné, non? La semaine passée, tu m'as dit que tu pardonnais, non? Oui, je t'ai pardonné, mais 2 semaines plus tard. Oui, c'est pour ça que tu n'étais pas. Oui, c'est pour ça. Oui, je savais. Je sais que vous êtes des saintes ni touches. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai fait. Tu vas revenir sur ce que tu avais. Je t'ai pardonné, mais c'est pas parti. Ma cassette, là, se rappelle trop vite. Et sans le savoir, c'est quelque chose qui repousse le chocolat. Dieu a mis des énergies et des hormones dans le chocolat et dans les femmes qui sont différentes. Et nous, on a tendance à toujours appuyer encore les mêmes choses. Appuyer. 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 Alors que les chocolats, eux, ils ont tendance à laisser passer. Laisser passer. Même si tu pardonnes avec la séance choco, quand la séance choco va finir, après, tu vas encore te rappeler. Maintenant, tu vas t'entraîner, tu vas apprendre à libérer, à ne pas prendre personnellement les choses que le chocolat fait. Parce que parfois, le chocolat fait même sans réfléchir.
Il ne se rappelle même pas qu'il a fait un truc qui t'a fait mal. Ce qui fait que quand il va demander pardon, écoutez, votre énergie parle plus que toute autre chose. C'est ton énergie qui va faire, qui va vouloir venir à côté de toi le plus souvent. C'est ton énergie qui va faire que tu vas voir le mot de passe qu'il y avait sur le téléphone là. Il va enlever ça seul. Il va te dire, il va venir te dire que mamie, voilà le code de mon téléphone. Et même souvent que tu donnes le code de téléphone, tu vois de demain qu'il n'y a même rien qui est caché dans le téléphone. Hein. Il est caché rien au téléphone. Chocolat, chocolat, donne-moi ton mot de passe. Noël là c'est trop facile. Je te connais, c'est trop facile à dire. Chocolat. Souvent il reste comme ça là. Un truc que tu as fait depuis, ça vient de ma tête. On est en train de manger. Et tu regardes, on sait comment ça me fâcher. Chocolat dit que c'est encore quoi, non? Il dit que tu te rappelles en 1900 quand tu avais fait tes choses, non? Hein? Il dit, mais ça sort d'où? Non, je sais que c'est seulement moi. C'est seulement moi qui fais ça. Maintenant, ça, c'est, je vous en parle parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler dans mon énergie. Et surtout pour celles qui sont en train de dire, OK, je n'ai pas de chocolat, je veux attirer mon chocolat. Quand tu vas commencer à libérer ça dans tes vibrations, tu vas voir que quand le chocolat. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas que vous n'attirez pas le chocolat. Hein. Parfois, le chocolat vient à côté de toi. Il n'arrive même pas pour vous sa bouche pour te dire que je veux que tu me manges. Jusqu'à finalement, il part. Parfois, il est autour de toi. Il tourne depuis. Tu sais que le chocolat là veut que tu le manges. Il ne dit rien. Il tourne, il vient, il part. Il vient, il part. Il vient, il part. Parce que ton énergie. C'est pour ça, même souvent, qu'il y a des chocolats qui viennent, ils te draguent. Tu acceptes. Après, pas. Parce que quand tu as accepté, ton énergie a changé. Ton énergie a changé. C'est pour ça que tu as souvent un chocolat qui vient, après, il disparaît. Il vient, une semaine, vous sortez ensemble, tout est bien. Quand il part, il t'oublie. Ou quand tu es dépassé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ton énergie n'était pas stable. L'affaire de demander pardon, hein. Tout ça, c'est dans l'énergie, ma chérie. Quand tu vas commencer à descendre tes barrières, à t'aimer, à te valoriser, à t'aimer. Quand je parle d'aimer, hein, la façon dont je me vois a tellement changé durant les 24 derniers mois. Et ça fait qu'il y a des peurs qui sont descendues. Genre, je mérite de la stabilité avec un chocolat. Je mérite qu'un chocolat m'aime. Parce que moi-même, je m'aime. Je suis belle. Il y en a parmi vous, vous ne croyez pas que vous êtes belle. Sérieusement, vous ne pensez pas que vous êtes belle. Ce qui fait que quand un chocolat vient autour. Ah, celui qui n'aimait, il dit que quand je vois, te dis même que tu es belle, tu dis, ah, celui qui me ment. Donc, dans ton fait intérieur, tu ne penses pas que tu es belle. Ce qui fait que ça met une instabilité dans ton énergie. Tu manges ma route comme ça, là. Un chocolat commence à te regarder. Oh, il te regarde par admiration. Hein. Toi, tu m'as dit, il me regarde quoi? Hein? On m'a dit que les hommes qui sont comme ça, hein, dans ta tête. Et c'est une énergie. Et cette énergie-là, ça se reflète. Parce qu'on émet tout le temps des ondes. On émet des ondes. Ce qui fait que le chocolat, quand il arrive à côté de toi, supposons peut-être que tu es la banquière qui le reçoit. Il est dans le bureau avec toi, il voit que tu sens bon. Oh, madame, vous sentez bon. Excusez-moi, madame, mais vous sentez très bon. Et quand il est entré d'abord, dès que tu l'as vu, tu as trouvé qu'il était particulièrement mignon. Like, ouf, ouf, ouf.
Et quand le bon chocolat que tu as trouvé bon te complimente, blocage, tac, le genre de chocolat, cela ne peut pas m'aimer. Comment il peut trouver qu'il sent bon? Et il dit, ça avait un nez tellement flatteur. Du coup, tu te humus pas. Merci, monsieur. On lui dit, oh, c'est gentil. Merci, monsieur. D'ailleurs, j'ai pensé aussi que vous avez vous senti bon quand vous êtes arrivé. Mais bon, après, j'étais un peu prise par la procédure. Vous sentez bon, monsieur. Tu vois la différence? Hé, le roi Hervé. Donc, supposons dans le premier cas de figure, tu réponds sèchement. Ce beau chocolat que tu trouves beau, qui lui-même est entré, il t'a trouvé belle, il prend son courage, il te complimente, tu mets le mur, tac. Dès qu'il va sortir, là, il va partir. Hein. Après, tu vas dire, je n'attire jamais les chocolats. Supposons peut-être que tu es un peu potelé, tu es un peu... Supposons, on va dire en bon français, tu es grosse. Et croyez-moi, il y a des chocolats minces qui aiment les femmes grosses. Des chocolats minces avec les plaquettes de chocolat qui aiment les femmes grosses. Donc c'est son goût là-bas. C'est là-bas qu'il meurt. Voilà. René Fema, tu as bien parlé. L'autre là aussi. Quand il parle, tu te dis, ah, ce que la dernière dit, ça m'a dit femme depuis ce matin. Et il y en a parmi vous, on vous a tellement fait mal que quand le chocolat arrive, il est même sincère. Donc, dans ta tête, qu'est-ce qu'un homme beau, comme il est mignon, comme il est cintré. Comment est-ce qu'il peut aimer une femme comme moi? Regarde-moi, je suis grosse, regarde-moi. Non, 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 non. Celui qui me dit ça seulement pour me flatter. Celui qui dit ça seulement pour que je lui donne, pour que je mette la signature dont il a besoin. Ma chérie, est-ce que tu sais qu'il y a les chocolats qui sont souvent venus derrière certaines femmes parce qu'ils cherchaient quelque chose, il arrive là-bas les caler. Hein? Même s'il cherche quelque chose derrière toi, ma chérie, laisse-y venir chercher. T'as qu'un dans oh, you are. Il vient chercher les papiers, laisse-y venir chercher. Il va arriver à caler. Dieu a parfois des façons de réunir les gens, de mettre les gens ensemble. Là, tu te dis, voilà, pour être honnête avec toi au départ, je t'approchais seulement parce qu'il faut bien une raison pour entrer dans une maison, ou bien il faut toujours une raison pour faire quelque chose, non? N'est-ce pas? Je préfère même encore que tu me dises que quand tu es venu derrière moi, tu avais un intérêt d'abord de ça. Après, maintenant, ça s'est transformé en ça. Oui. Même vous les gars là, non. Il y a les gens que tu es tombé derrière lui parce qu'il avait la voiture. Tu es tombé derrière lui parce qu'il allait payer ton loyer pendant 3 mois. Tu es arrivé maintenant, tu as découvert que waouh, le chocolat, c'est là. Je pensais qu'il était maltaisé, mais on a fait une fois, j'ai vu comment il fait bien. Oui, la dégustation était parfaite. Petit à petit, tu tombes derrière. Maintenant, le cœur qui bat, le cœur qui bat, hey, le cœur qui bat, le cœur qui bat. Hey, ton cœur commence à battre. Tu ne sais pas comment ça fait. C'est ça. Donc, permettez, et je vous dis encore que Dieu peut permettre que les chocolats et les chocolatières se rencontrent de mille et une façons, pour mille et une raisons. Ne bloquez pas votre esprit. Noëlla, ce que tu bavardes, je ne sais pas comment ton chocolat fait pour te supporter. Yay, Noëlla, j'espère que quand tu manges le chocolat, tu bavardes. Parce que le genre de bouche que tu as là, c'est bien quand pendant que tu manges le chocolat. Comme ça, tu coaches bien, tu le coaches bien. Que oui, mets à gauche, mets à droite. Oui, là-bas, c'est là-bas. Appuie encore là-bas. Le bouton là, c'est le bouton là que tu dois appuyer.
Ce que je dis ici, c'est tellement important parce qu'il y en a parmi vous que vous sortez très peu. René, tu vois, là tu es en train de dire que voilà, tu découvres qu'il est marié. Ça veut dire que vous commencez vos choses en mettant toujours le mal devant. Et je prends mon temps pour vous détailler les choses aujourd'hui parce que il y a beaucoup d'entre vous, vous faites maison, boulot, boulot, maison. Dieu ne peut que t'amener peut-être un homme qui est peut-être un client au départ. Et Eve, tu aimes les choses. Hey! Portez Eve, vous le sortez d'ici. Hey! On va te balancer pour te sortir d'ici. Il y a les boutons à appuyer. Il y a les portes à ouvrir. Il y a les là-bas, là-bas, là-bas. Oui. Là-bas. Donc, quand Dieu connaît que la fille ici, pourquoi je lui amène un chocolat? Il faut que ce soit un chocolat, peut-être qu'il y a un client. Ou bien qui est un ami de son patron. Il ne peut qu'entrer par cette porte-là pour te donner le chocolat. Maintenant, si tu es le genre de personne que tu as toutes les méthodes pour contrecarrer, pour knock les chocolats. Dès qu'un chocolat vient à gauche comme ça, là, tac, tu mets tu lui mets un râteau. Il vient à droite comme ça, là, tac, tu lui mets un râteau. Il va là, tac, tu lui mets le râteau. Tu dis, caca, c'est comment, non? Tous tes collègues ont essayé. Bonsoir, le roi Diouf. Tous tes collègues ont essayé. Donne le bénéfice du doute. Parce que vous dites toujours que quand Dieu veut faire quelque chose, il vous l'annonce. Isaïe 43, versets 18 et 19. Je vais faire quelque chose de nouveau. Et je vous l'annoncerai. Donc Dieu va. C'est vrai que dans le passé, tu as eu. Ma chérie, l'année passée, quand tu as rencontré le chocolat qui t'a abusé de toi, il a volé ton argent, il a fui. Tu ne connaissais pas tout ce que tu connais de toi maintenant. Tu es en train d'apprendre à t'aimer. Et l'année passée, tu étais gamer. Maintenant, ton argent entre déjà. Tu ne dois plus regarder un homme seulement à cause de son argent. Bon, on peut supporter le ventre. Même si le ventre là cache tout le chocolat de devant, on ne voit même pas. Bon, il a quand même la voiture, il peut payer mon loyer. Il peut même donner un peu l'argent pour les enfants. Non. Maintenant, tu as ton propre business. Donc, tu ne regardes plus le chocolat en fonction de l'argent qu'il a. Ce qui fait que maintenant, tu es objectif. Tu as tes papiers maintenant. Tu ne regardes plus le chocolat. Oh, il a l'argent. Est-ce qu'il a les papiers? Est-ce qu'il a les papiers? Non. Ça ne rentre plus dans tes choses. Maintenant, le Seigneur te dit qu'il travaillait sur toi depuis. Écoutez-moi, il ne prend jamais mon temps pour faire le direct pour rien. Il travaillait sur toi depuis pour maintenant t'ouvrir pour que tu reçoives un nouveau chocolat. Un chocolat Pro. iPhone 14 Pro Max. Le dernier cri. Le genre de chocolat que tu manges le chocolat toute une journée. Vous restez dans la chambre toute une journée, vous commandez le chocolat, ça vient. Vous commandez, ça vient, vous mangez. Vous commandez, ça vient, vous mangez. Vous ne vous fatiguez pas. Vous bavardez. Ma chérie, oui. Tu as 45 ans, tu crois que tu es vieille. Tu n'as même pas encore commencé. Tu vas manger le chocolat, tu vas manger l'amour. C'est-à-dire que Seigneur, donc, pouvait être heureuse comme ça. Je te le prophétise au nom de Jésus. C'est chacun qui reçoit sa part. Si tu croiras, tu verras. Je suis convaincu que votre bonheur arrive. Et je ne veux pas que vous ayez seulement l'argent. Je ne veux pas que tu aies seulement l'argent, tu ne manges pas le chocolat. Manger le chocolat dans les plus grands hôtels, c'est sucré.
Ça veut dire que tu as l'argent et tu as le chocolat. Bonjour la reine Sadia. Vous ne serez pas seulement riche. Vous serez riche et vous aurez les bons chocolats. Donc ton chocolat sera tellement... Le genre de chocolat que... Mince. Aïe. S'il vous plaît, rêvez. Imaginez les belles scènes que tu vois dans les nouvelles, là, ça t'énerve là. Tu vois quand tu les regardes, comment ils s'embrassent à la télé comme ça. Tu fais... Et oh bébé, jetez-moi ton petit déjeuner dans le lit. Oh, c'est ton anniversaire. Tu vois, tu fais... Vous aimez plus que qui? Ce sera maintenant toi. Au nom de Jésus. Et quand tu... C'est pour avouer que quand tu es amoureux, il y a une douceur là dans toi. Une douceur. C'est pour ça qu'on est amoureux, on peut tout porter pour de nos chocolats. Maintenant, il faut que tu saches que ça ne va plus venir et se gâter. Tu me suis, non? Dis, j'ai suivi. Je suis en train de restaurer les émotions de quelqu'un là maintenant. Je restaure parce que je sens beaucoup d'une bataille énergétique dans ton corps. Il y en a même, vous êtes mariés, mais vous n'avez pas la paix dans votre foyer parce qu'il y a une bataille énergétique dans votre corps. René, donc tu passes autant à balayer la cour des voisins. Hein? Bonsoir, le roi Alphonse. Il y a même des gens qui sont mariés depuis des années. Mais il y a encore cette frustration intérieure. Et vous ne faites que la présence. Vous faites le voilâtre. Donc, vous vous pointez devant les gens, vous voient. Vous voyez les photos, vous mettez sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas il n'y a pas cette harmonie. Il n'y a pas ce bond-là. Jacques, quand il part, il s'absente pour 3 heures de temps. Tu écris que B, tu me manques. Oui. Je prophétise l'harmonie dans ton couple. Je baisse tes barrières. Que toute douleur que tu as eue et que tu as conservée dans ton corps. Quand tu as fait ton lavage au sel ce soir et demain matin, je déclare que toute cette douleur s'évapore de ton corps au nom de Jésus. Je déclare que tu ouvres ton énergie pour recevoir l'amour. Pour recevoir l'amour. Je change et je remplace ton énergie. Je mets l'énergie d'abondance. Petite colline, tu n'es rien. Ça ne peut rien contre toi. Il y en a parmi vous, vous manifestez déjà l'argent. Vous voyez comment l'argent vient dans votre vie. Quand il part, vous allez dire, ah, est-ce que ça peut? Ma chérie, ne te dérange pas. C'est ta prochaine étape là-bas. Tu vas rester ensemble un jour, tu vas sentir la chaleur de l'amour dans ton cœur. Tu vas dire, hé! Je croyais que quand j'ai aimé à 16 ans, là, c'était fini. Dieu a encore de bonnes choses pour toi. Dieu a encore de bonnes choses pour toi. Tu vas te sentir aimé. Tu vas laisser qu'on t'aime. Sans gâter. Tu vas accepter qu'on t'aime. Je le dis encore, ce n'est pas dormir sur le même lit qu'un homme qui fait. Ce n'est pas le même lit là qui fait que... Non. Il y en a, vous êtes sur le même lit. Dès que vous vous couchez comme ça là. Le lit d'abord, c'est un lit de 3 places. Tu mets ta tête comme ça, il met sa tête là-bas.
Je restaure ce qui avait été abîmé en vous, qui a gâté votre couple. Je déclare aussi que si c'est une infidélité, ou bien si le motif de départ qui a fait que tu entres dans cette relation, si c'était pour une raison particulière, je déclare que cette raison se transforme en amour entre vous deux. L'ange du cœur, tu sais, dis seulement Amen. Dis seulement Amen, tu reçois. Parce que quand tu vas commencer à dire Amen, demain là, demain, tout ce que j'ai dit là, ça va commencer. Quand tu vas rencontrer un chocolat va entrer dans ton bureau demain. Tu vas sentir d'abord son parfum. Ouvre ta bouche, tu le dis. Monsieur, vous sentez bon. Moi là, moi, quand j'étais encore disponible, quand j'étais single, ready to mingle, tu me plais, je te dis cache que tu me plais. Je te dis aura. Oui. J'aime ton parfum. Je restaure votre relation. Je déclare que ce ne sera pas une corvée pour vous de rentrer à la maison le soir. Ce ne sera pas une corvée. Ce ne sera pas une corvée. Je déclare que vous allez porter votre bague de mariage avec fierté. C'est un chemin de nayo nayo. Mais je sais que ça va arriver pour vous. Je détruis les malédictions générationnelles que vous avez héritées de votre mère, de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère. Les choses que vous avez prises de votre arrière-grand-mère qui vous bloquent. Je déclare que vous êtes débloqué. Tu n'as pas d'ailleurs remarqué, ton arrière-grand-mère était la première femme. Le père est parti se marier avec une deuxième. Il a vécu chez la deuxième. Ta grand-mère était la première femme. Le grand-père est parti se marier chez une deuxième. Il a vécu avec la deuxième. Ta mère, elle a commencé avec quelqu'un. Après, ils ont arrêté. Le monsieur est parti épouser une autre personne. Il a même laissé ta mère totalement. Tu as des cycles répétitifs de rejet. Tu vas laisser ton énergie s'ouvrir, ma chérie. Je brise les cycles répétitifs qui vous enchaînent, qui vous emprisonnent. Je déclare que vous allez être heureuse dans votre foyer, dans votre futur foyer. Je déclare la sincérité, l'ouverture, la restauration de la confiance dans votre foyer. Sincèrement, honnêtement, peu importe les différends que vous avez eu avant, comme vous m'écoutez, ne dites pas que c'est lui qui devait écouter ceci. Non, c'est toi qui écoutes. Je baisse les barrières que tu as mis autour de ton cœur. Parfois, quelqu'un fait une erreur une fois. Après, il ne sait pas comment se racheter. Son erreur là te rappelle ce que ta grand-mère a vécu, ce que ta mère a vécu, ce que ton arrière-grand-mère a vécu. Ça te bloque. Et comme ça te bloque, il essaie tellement de venir vers toi. Finalement, il se décourage pas pour de bon. Désormais, vous vivez à la maison. Vous vivez seulement. Je déclare que ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Yes, Yolande, open yourself to change. Free yourself, free yourself. I like something, I say I like it. I don't like it, I say I don't like it. Very simple. Because I always say to myself, if I let you go, and I had a chance for you to be my husband, how can I afford to miss a cute husband like you? You're so handsome, man. How can I miss it? Hmm?
Et moi, j'ai un goût de chocolat que. J'ai un goût. J'ai des goûts de chocolat. Dis-moi les goûts. Je ne vais pas vous décrire mes genres de goûts, mais bon. Ceux qui ont vu mon chocolat connaissent mon goût. Le chocolat chocolaté. Quand tu as le grand goût de chocolat, maintenant, on travaille sur ça. Parce que même si toi-même, tu travailles. Parce que si tu étais parfait, tu serais déjà dans une relation avec un bon chocolat. Maintenant, quand tu rencontres, tu vois si certaines choses y sont déjà. Tu laisses donc. Parce que dans toute relation, toi-même aussi, tu travailles. Donc, Dieu travaille sur toi, il travaille sur ton chocolat. Et qui dit obstacle ne dit pas forcément, ou bien problème. Qui dit problème ne dit pas forcément séparation. Parfois, les problèmes viennent vous rapprocher. Il y a des couples qui ont parfois traversé des maladies. Peut-être un des partenaires a eu une maladie. Quand la personne sort de cette maladie-là, vous êtes encore plus soudés qu'avant. Ou bien vous avez fait une fausse couche dans le couple. Quand vous perdez le bébé, certes, ça fait mal, mais ça vous soude encore plus. J'ai un ami, ça fait quelques jours, il me dit, sa femme a déjà peut-être fait 6 ou 7 fausses couches. Et la façon dont il me parlait, comment son cœur saignait à chaque fois que sa femme saignait quand l'enfant sortait. Quand j'ai vu comment il exposait ses émotions, je disais, waouh. J'arrive pas à croire que c'est un homme, c'est un mâle qui me dit ça. Et il parle de sa femme avec tellement de douceur. Je ne suis plus jalouse, parce que bon, avant, il disait, oh, Seigneur, qui me donne ça? Je ne suis plus là-bas, I'm not there anymore. Et il disait, non, franchement, à chaque fois que ma chérie perdait un bébé, vraiment, ça me faisait. Tu vois qu'il parlait de sa chérie avec douceur et tendresse. Je faisais, oh, oh, that's so cute. Les Anglais aiment trop ça. Oh. Donc, c'est des choses. Parce que parfois, quand on se met ensemble, on veut que ce soit pour le meilleur seulement. Et j'ai compris que c'est le pire aussi. La façon dont on gère le pire. Quand le pire arrive. Parfois même, l'enfant qui allait naître allait être une distraction. L'enfant allait éviter que le couple ne se rapproche. Maintenant, quand vous faites une fausse couche comme ça vous permet de vous voir. Parfois, il y a des relations que tu restes. Quand Dieu vous bénit avec l'enfant, tu te dis que bon, comme il y a l'enfant, je suis sûr qu'il avait moi seulement parce que je lui fais les enfants. Maintenant, quand Dieu retire l'enfant là de ton ventre, l'enfant part. Tu vois comment il reste avec toi. Il te soutient. C'est là que tu te dis, waouh. Ok. C'était pas les enfants en fait. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne pensent pas qu'elles méritent l'amour. Beaucoup d'entre nous. On ne pense pas qu'on mérite l'amour. On pense qu'on est dans une relation par devoir. On pense qu'on est dans la relation parce que ouais, je m'occupe de tes enfants. De toutes les façons, si je ne m'occupe pas de toi, tu vas faire comment? Voilà, bon. Parfois, tu dis que ah, il avait moi parce que je lave le sol, je lave ses habits, je prépare sa nourriture. De toutes les façons, donc, tu vois, la femme ne pense pas qu'elle mérite l'amour. Ce qui fait qu'elle a mûr, son cœur est dur. Et quand ton cœur est dur, il essaie une fois, deux fois, après, il s'habitue aussi. Hein. Ah, elle est dure, moi-même, je suis dure, c'est bon, non? Voilà. Ton chocolat te prouve et apprend et t'apprend à accepter que tu mérites son amour. Voilà.
Vous savez, les chocolats qui parlent trop. Ce sont les actions. Et parfois, il y a des chocolats qui ne savent pas comment faire bien. Tu vois, il fait peut-être une erreur. Tu lui dis que ouais, tu m'as fait mal, tu aurais dû faire comme ça. La prochaine fois, il fait comme tu voulais qu'il fasse. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a même des chocolats qui. Il demande la soumission par son amour pour toi. Il ne te force pas à te soumettre. Tu fais n'importe quoi, tu penses seulement que gardez pour votre père. Oh. J'ai acheté ça pour votre père. C'est pour lui. Oh, gardez pour papa. Hein. Dès que papa vient, tu cours. Papa, tu es rentré. C'est que tu vas manger le chocolat. C'est ça que tu vas voir le chocolat. Ouais, les mets. Oh my God. Je vous en prie, ne dénigrez pas vos chocolats. Quand ton énergie change, ok? Ce que j'ai remarqué, c'est que soit l'énergie de ton chocolat change, soit ton chocolat part, soit vous vous séparez. Quand ton énergie change, tu commences à t'aimer, tu commences à penser que tu mérites le bonheur, tu commences à penser que tu mérites aussi que ton chocolat te t'aime, qui te garde aussi même souvent, qui pense même souvent à toi. Soit il change avec toi, soit il part. Donc ça sert à rien de l'insulter. N'insultez pas le chocolat, s'il vous plaît. C'est quand même un chocolat qui a fait ta joie, qui a à toi et fait ta joie. Il t'a béni certains moments. Il t'a amené voir Jésus au paradis. Comment tu peux te lever, tu l'insultes encore? Ne bénissez pas le chocolat qui vous a béni. Ne maudissez pas le chocolat qui vous a béni. Pardon. Il t'a béni, dis-moi, oui, merci, tu m'as béni un moment. Ne maudis pas. Je répands sur vous la paix et le pardon ce soir. Peu importe l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Je restaure vos émotions. Il est clair que vous n'êtes plus influencé négativement. Vous n'êtes plus influencé négativement par un mauvais comportement ou encore par quelque chose que vous avez vu dans l'enfance. Cette restauration ne sera pas, elle est irréversible. Kébit Safak, ceux qui n'ont pas de chocolat, restaurez votre énergie avant que le chocolat ne vienne. J'ai pris mon temps pour expliquer toutes ces choses pour que si tu n'as pas de chocolat et que tu libères ça, tu libères, tu n'auras plus rejeté le chocolat. Parce que Dieu essaie de te donner des chocolats, ma chérie. Dieu essaye. Mais toi, tu rejetais. Maintenant, comme je parle là, tu libères ton énergie. La prochaine fois, tu peux même arriver dans un bureau et vous. Voilà ton chocolat que tu avais prévu. Vous vous asseyez dans la même pièce. Mais vous vous asseyez dos à dos. Parce que l'énergie n'est pas prête. Maintenant, quand l'énergie est prête, vous vous rencontrez, effectivement. Peut-être il te renverse quelque chose. Tu te baisses pour ramasser. Donc, vous vous rencontrez. Et dès que vous vous regardez. Tu fais waouh! Elle a parlé du chocolat hier. Waouh! Are you my chocolate? Je restaure votre chocolat.
Je restaure votre connexion à votre chocolat. S'il y a une relation qui avait été gâtée, peut-être c'était ton chocolat, c'est peut-être un ancien ami de lycée ou bien de tes ex, je ne sais pas. Et à chaque fois qu'il pense à toi, il te relance, tu l'insultes. Hé, hey, laisse-moi partir, oh là là. Hein, tu m'avais fait telle chose, non? Ne m'écris plus jamais. J'adoucis ton cœur concernant ton chocolat. Voilà. Je vous bénis, ok? Mangeons le chocolat vivant. Le sommeil qu'il y a dans mes yeux est... Recevez votre restauration chocolatière. Je bénis votre chocolat. Je bénis vos relations. Au nom de Jésus. Amen.